c'est ça. Bon, moi-même, je prends plaisir pour me changer dans Benza. Je m'appelle l'univers Ben parce que je fais toute musique, je chante. Bon, ça, même c'est une autre ambiance qui est entrée. Alors, nous déjà, ouais, qui gens, eh bien, Etchéou pour fêter 16e gala de l'indépendance. Eh bien, nous pas prêter plus, nous avons invité nous, qui c'est docteur Métayer Nabdili. Bonsoir et bienvenue sur Télé-Créole. Merci beaucoup, Miguel. C'est son plaisir pour nous là aujourd'hui. Nous avons déjà travaillé, nous avons déjà commencé à fête là, et puis parole déjà faite. Nous sommes contents, nous avons Kiki venu, Kiki, son vieil ami de Etchéou qui est toujours là dans tout salver. Oui, oui, oui. Et nous espérons parole nous là pour nous capables de continuer parole. Bah, encourager le monde pour capable fêter l'indépendance d'Haïti. Et nous toujours retourner pour nous capables de dire que Haïtiens peut-être pas senti souvent comprendre l'importance en indépendance d'Haïti dans l'histoire moderne. Si nous sommes capables de comprendre, il y a trois gros événements qui marquent l'histoire moderne. C'est la Révolution américaine qui fait une cessation ensemble avec une métropolitaine à cause de l'été posé taxe sur eux. Mm-hmm. Et une séparation amiable parce que Blancs ont toujours été en pouvoir et les relations ont été embouchées, américains viennent s'allier aujourd'hui. Et immédiatement après ça, on vient de la Révolution française. En côté que son révélation interne, côté que tu as des classes qui étaient en clivage, tu as une idée de liberté, égalité, fraternité. Et puis, révolution en fait, et puis un changement qui fait, ouah, allez, tout le monde allait. Et puis, changement de classe. Yo. Mais dans toutes les deux révolutions, ça ils ont tous les deux parlé de liberté, égalité, fraternité pour tous. Mm-hmm. En dans les États-Unis, liberté, égalité, ça, pas pour noirs qui étaient dans la plantation. Yo. Dans la France, qui n'a pas de liberté, égalité, fraternité pour tous, qui était chita sous l'Empire, qui était chita sous l'esclavage. Ça veut dire que dans deux révolutions qui marquaient le monde, dans tous les deux, grosse différence, c'est que tu as un groupe de monde qui n'est pas de monde. Mm-hmm. Tu as un groupe de monde qui n'est pas de monde, qui n'est pas considéré, qui n'est pas fait partie de société. De société. Mm-hmm. Donc la poursuite du bonheur dans l'Américain n'est pas faite pour nous. Liberté, égalité, fraternité dans la Révolution française, n'a pas de fête pour nous. Donc, si nous sommes capables de comprendre l'histoire mondiale, la Révolution haïtienne, les concrétiser l'idéal Révolution américaine et l'idéal Révolution française. Donc, c'est le seul côté sous la tête, dans l'histoire moderne, côté nous dit que tout le monde qui fait libre, égal en droit à tout le monde. Et la Révolution française, la Révolution haïtienne, c'est tellement important que vous voyez des gens qui sont aux États-Unis, qui ont besoin de libre, qui doivent fouler les pieds. Depuis que vous foulez les terre, Haïti est libre. Vous avez des gens qui sont de Jamaïque, qui sont libres. Donc, le nous prend, on connaît que nous, on pile dans nous-mêmes, on pile l'histoire, nous dit bon, nous avons 200 ans, qui ça nous est, qui côté nous est, qui ça fait. Mais nous sommes capables de comprendre, c'est trois révolutions que généralement nous payons. Parce que laisse-moi te dire, il faut nous capables d'entrer dans l'histoire. Haïti fait 100 ans, entrer dans une quarantaine, dans une pièce de société qui accepte l'indépendance. Inclus les Américains qui sont à côté de nous, la France. Ou comme ça que pire là, même l'Angleterre qui était dans Goumé ensemble avec la France, ou pensez parce que contre la France, tu as venu accepter l'indépendance, qu'on arrive au point d'indépendance. Yo déconnecté ensemble avec vous. Donc, mes chers amis, même si nous avons les dû à tête, nous, mais nous avons façon nous ne sommes pas capables de dire avec tête. Nous. L'indépendance haïtienne, c'est une indépendance que nous devons fier pour nous capables de fêter. Côté que nous devons dépasser tout clivage que nous avons supposé gagner de partis politiques, de religion, tout clivage que nous sommes capables de gagner, c'est pour Kimbeo, momentanément, pour nous capables de réjouir, pour nous capables. Et fêter fête de l'indépendance. Donc c'est pour ça que le Etchéou a fêté fête ça. Moi-même, je suis content pour me capable de faire partie et de groupe ça et qui pas fêté simplement un monde, qui fêté une nation, la composition de une nation. Donc c'est pour qu'on recentrer balle là parce que quand plein de monde qui a fêté peut-être parfois qui oublie qui s'est fêté. Moi ça me dit. Donc l'évolution haïtienne, c'est une révolution qui marque le monde et ça fait n'a pas les consacrés qu'on y a là.
Il y a deux trois historiens dans le monde qui connaissent ça. Mm-hmm. Mais c'est rarement que nous parlons, que yo parlent dans le langage que n'a pas là. Ouais, ça veut dire moi-même c'est en France que je viens comprendre valeur et indépendance haïtienne. Là, je viens remarquer le poids, mm-hmm. poids nation haïtienne dans tayé la colonie de Saint-Domingue qui se poil tayé dans poids économique français. Là où la France a parlé de la perte d'Haïti. Ça que tu pour écrire avant rien. On avait dit comme si on avait l'échange échange de lettres qu'il a fait et tout le monde capable de comprendre. La France tellement perdue, tellement qu'on est perdu, il fait cadeau Louisiana et puis avec États-Unis viennent s'allier aujourd'hui. C'est à partir de l'indépendance. Et une indépendance tout qui pas gagné un mélange puisque c'est unique seulement haïtien. Ah oui, bon ça c'est ça ou voter l'autre bail qui plus grave là. Parce que ça tout le monde a dit mes amis. Comment monde capable comprendre que une armée de nèg qui pas jamais de préparation militaire fait goumer avec l'armée de Napoléon et puis caler Napoléon. Et ça qui est important, il y a qui gagne droit qui a dit ah mon cher Kélé, c'est peut-être Napoléon qui n'a pas prendre ça au sérieux. Au sérieux. Mm-hmm. Si Napoléon pas prend ça au sérieux en histoire, il pas t'envoyer Beaufrel. Beaufrel, hein? Beaufrel, chef. Et ça veut dire. Donc, nous pensons que en pile monde te ka fait façon pour qu'il minimiser ça, il pas minimiser et nous-mêmes comme haïtiens nous pas minimiser, c'est le que haïtiens de tout partout, quel que soit qui monde jeune, nous besoin rallier jeune nous parce que nous avons un gros flambeau que nous supposé passer à la jeunesse. Année ça réunion dans bail qui rivé en organisation et égal là, nous, ouais, jeunes, nous prenons pile place dans l'organisation, nous comptons ça. Mais nous-mêmes, comme parents, nous obligés non seulement venir dans le gala, venir faire et célébration, ça, mais mener petit nous. Parce qu'il faut nous connecter ensemble avec l'histoire, ça. Parce que l'important pour nous capables de connaître les Haïtiens. Mais les Haïtiens, ce n'est pas seulement les Haïtiens qui mangent du riz à quoi, mais c'est les Haïtiens qui ont une histoire. On soit qui lourd dans l'histoire du monde, dans l'histoire du monde. Donc c'est là nous pensons que et nous devons rejoindre nous et nous fait tout ça nous connaît moi-même personnellement moi-même moi fait ça mon devoir pour mener petit mon noyau en dans gala ouais ça veut dire pour capable participer et m'a encourager tout le monde et pas venir seulement pour vous mais venir connecter petit mon noyau avec l'histoire ça avec nation avec peuple là avec la communauté haïtienne qui ont une communauté très, très, très importante. Voilà, c'est ça, sur Télé-Créole. Nous avons profité de l'occasion pour nous dire courage avec Ildri. Et il dit que c'est Brenéus qui gagne un petit lit qui allait au-delà. Et nous partageons tout un moment douleur ensemble avec nous, quand nous sommes membres de YouTube. Oui, qui est toujours là, qui est toujours aidé nous. Voilà. Alors, nous connaissons, c'est vendredi en veillée, et puis samedi, enterrement. Alors, nous profiter de l'occasion pour nous partager ensemble avec lui dans le moment de douleur. Et oui, docteur, nous avons retourné sur l'indépendance. Nous avons gagné Fanfare Boston. Ah, oui. Et puis, nous avons remarqué Universel Ben. Moi, je l'ai dit parce que je l'ai dit. Je l'ai joué. Et Kapla. Et puis, nous avons gagné un pilote animation et pour soirée. Et nous pensons que quand l'autre bagarre qui vient d'entrer dans le cadre là, c'est côté il y a pour nourrir plusieurs et monde qui là spécialement magistrat que en pile monde et pas qu'on est qui travaille qui était fait en Haïti. De futur. Bon, naturellement nous allons qui te font un bon galé sur ça et premier bagarre on a dit que magistrat c'est première année avec Etcheyou en dans Etcheyou dans gala. Et nous remarquons que le magistrat, et après qu'il était élu, il était venu, il marchait dans la parade là, de Matapen Square jusqu'à Talbot. Il fait tout ce qu'il a fait ensemble avec nous. Il était content pour embrasser Haïtien et connecter ensemble avec Haïtien. Et en même temps, tout, il était touché que sa peuple haïtien y est, que sa communauté haïtienne y est en Dambosie. Donc, et pour prestation qu'elle fait, pour présence qu'elle fait, parce qu'elle était supportée et en pile grave à Haïti, lui-même les déplacer là à Haïti, est-ce qu'on avait dit? Donc, il est important que pour nous continuer, parce que lorsqu'on leader qui est intéressé ensemble avec une communauté,
et c'est le moment qu'on y a pour capable mobiliser, pour capable réchauffer les liens, et puis en même temps pour capable garantir que le continuer porter attention ensemble avec la communauté haïtienne. Donc et reconnaître et leadership li en de communauté, parce que c'est un bail qui vient de justesse et tu pas manquer occasion ça pour faire. Donc là nous venons pour nous capable montrer qui nous noyer qui s'allier et honorer les sont bail qui extrêmement important. En même temps on a reconnaître comme toujours des leaders haïtiens qui travaillent, qui font pile bon travail dans la communauté, que nous voulons reconnaître pour engagement au niveau communautaire et pour le travail qu'il a fait dans la communauté et aussi le travail qu'il a fait en Haïti. Et encourager tout, et comme il y a des jeunes qui font partie de ETU, comme ça, il y a des jeunes leaders tout, qui ne doivent pas commettre tête dehors, et ça, c'est une d'ouverture pour que vous-même encouragez le travail que vous avez même. Exactement. Parce que vous n'avez pas que nous devons toujours faire, c'est que pas tant selon le monde mourir pour reconnaître. Il y a un peu de monde qui fait de très beau travail, il y a un peu de monde qui fait de très grand engagement. Donc, pour nous faire une façon pour nous capables de reconnaître ce qu'on y a. Et tu as toujours fait le plaisir pour être capable de faire ça. Et nous, dans ça, tout, dans trois dernières années, nous avons aussi collaboré ensemble avec les consulats haïtiens qui participaient énormément et qui aussi reconnaissent de trois leaders haïtiens. Et nous espérons peut-être année ça encore, on a bien possibilité pour nous faire ça. Et en même temps, tout, nous avons un dialogue ensemble avec le ministre de la diaspora qui fait intérêt, qui est intéressé pour participer, pour le présenter. Parce qu'encore, il ne faut pas oublier, c'est une fête nationale qui dépassait le gouvernement. Et c'est un plus gros problème que nous avons. Nous toujours fait mélanger le gouvernement avec l'État, avec ensemble. Donc, on fait patriotique, on fait de la patrie, les dépasser, quel que soit le monde qui est au pouvoir, supposé rentrer ensemble avec lui pour capable reconnaître patrie. Et il y a un peu d'autres activités qu'a fait. Bon, et je suis bien content de parler de Smoothie Ben, que nous-mêmes personnellement, nous avons eu l'occasion déjà, live, qui jouait extrêmement bien. Nous-mêmes, dans New York, c'était le New York Superstar. Smoothie Ben, rappelez-moi ça. Je jouais musique, je jouais jazz extrêmement bien, je jouais compas, je jouais main, et je jouais très belle présence de scène. Donc, les contents pour nous, on jazz local, que nous avons encouragé, que nous avons présenté avec le public là, et mettez connexion ensemble avec ça, ensemble avec eux-mêmes, nous comptons ça. Et puis, nous avons une troupe de danse Haska qui était présent, qui est toujours présent. Et qui est toujours ensemble avec, exactement, qui est avec les jeunes, qui est très dynamique, que nous sommes qui est en forme, qui est ensemble avec nous. Et puis, nous avons en forme, nous avons de Marching Band of Boston, qui ont une présence spéciale en Dangala, parce que nous sommes capables de prendre les messieurs à rencontrer, surtout que nous avons parlé de Majiska qui est venu pour venir là, pour capable reconnaître et accueillir les magistrats, faire Marching Band dans Marching ensemble avec lui. C'est des bagages qui ont une flaveur spéciale en dedans et gala ça. Mais ça, quand même, avant de continuer, il y a des bagages que nous avons dit, qui ont précision que nous avons fait. Chaque année, nous avons un problème ensemble avec POT. Et ticket. Chaque année, mon app venu à la dernière minute, venu avec nous, toujours attendre la dernière semaine. Bon, année ça, nous encourageons tout le monde à prendre ticket. C'est nous capables de remarquer qu'on y a un ticket à la vente. Donc ça veut dire que tout le monde qui voulait pour aller chercher, pour aller acheter un ticket, ok? Et puis, il y a pas acheté ticket à $65. Vous connaissez jusqu'à 29 décembre. Jusqu'à 29 décembre. Ça veut dire qu'on a un bon petit temps pour nous acheter un ticket jusqu'à $65. Après 29 décembre, à supposons qu'on gagne 60 tickets à $65, on va payer $75. Pour ça, c'est n'importe. Et nous encourageons le monde pour capable faire ça, pour capable acheter $65, pour ne pas dire, ah bon, si je te connais, et puis pour ne pas demander nos faveurs, parce que ce n'est pas qu'une faveur. C'est un système qui est établi, qui est respecté, que tout le monde respecte ici. Donc, on espère qu'il a fait effort pour être capable d'être. Donc, nous connaissons que tu es dans M&S Beauty Supply, et dans Camille's Bakery, qui est dans Cambridge. M&S Beauty Supply dans Somerville. Nous avons Express, et nous avons Diaspora Express qui est dans un Coleman Square là, et puis il y a plusieurs autres côtés.
Donc, et si nous avons toujours besoin un peu d'informations, après les 617-416-95-61, pour capable demander et chez vous, demander information. Et puis, le numéro de téléphone de chez vous, c'est 617-298-2976. Donc, nous encourageons tout le monde à faire effort et grand ticket. Donc, bon, naturellement, nous connaissons à chaque fois que nous faisons ça, nous comptons pour nous capables de monter présence communauté haïtienne. Mm-hmm. Parce que lorsque nous sommes déplacés, nous venons de nos bagages, si nous avons 700, 800 personnes qui disent mais nous, comme communauté, mon cher, ça fait nous grands, ça fait nous fiers. Nous invitons la présence du ministre diaspora, c'est le David, nous avons pour dire mon cher, mais la communauté haïtienne dans Boston, mais qui s'allie. Bon, yo déjà, ouais, yo commencé, ouais, parce que l'un moun yo, ouais, ça qui fait en dans Blue Hill, en Corridor, là, pour faire des rapports, yo connaît, yo l'impression que Haïtien répond, Haïtien font un gros travail. C'est ça. Bon, et juste avant nous terminer, belle petite cause de ça, invitation sous 16e Gala de l'Indépendance, et qu'a fait en 3 janvier 2015. Et nous gagnons, bon, pas bon ici, magistrat, et un paquet de bonnes autorités, qui toujours a embrassé, qui toujours a entré dans la communauté, qui prend gala ça avec en pile importance. Oui, il y a un consulat qui représente le gouvernement. Mm-hmm. On si gros bagarre comme ça, je pense qu'il est sous dos et chez vous. Nous ne pouvons jamais faire une invitation officielle avec le gouvernement haïtien. Non, bon, c'est ce dit là, c'est qu'il n'y a pas de travail sur lui. Et nous, cette année, nous toujours une collaboration avec le consulat. Mais cette fois-ci, nous avons une invitation ensemble avec le gouvernement. Et nous avons dit, mini diaspora, pendant tout le temps que tu as fait ici, là, était venu apprendre, comprendre, connaître le travail que tu as fait, il souhaitait venir. Donc, comme lui-même l'a présenté sous air, nous-mêmes avons une invitation spéciale. Okay. Donc, c'est la première fois que nous faisons pas comme ça. Officiellement, je pense que nous devons continuer à faire ça, nous devons continuer, quel que soit le gouvernement qu'on a ici, l'événement, ça, c'est un événement patriotique. Yeah. Donc, chaque année, on apprend une décision pour nous capables de lancer une invitation officielle. Et nous-mêmes, nous avons décidé si c'est consulat ou bien si on ne monte pas, ou même gravini, ou bien tous les deux, nous avons décidé de faire ça. Bon, moi, c'est son bail que n'a commencé et n'a fait non seulement pour gala mais aussi pour et marche que nous fait et après 18 mai parce que l'impossible extrêmement important et l'obgade gain participation déjà et gouvernement surtout dans la parade qui était faite déjà exactement. Et on gala qui pas fait dans même niveau et tu fait ici en Haïti, il n'est pas dit passer inaperçu parce que. C'est pas même bagaille. C'est pas même bagaille. Et j'ai l'impression que si vous avez voulu en présence ici, vous avez décidé de voir en présence, il y a saisi. Parce que d'une façon ou d'une autre, gala indépendance haïtienne qui est faite dans Boston, il est faite dans un très gros niveau, il est faite avec une très grande participation de la communauté haïtienne. Et il est dépassé toute classe. C'est côté où est Baptiste, Adventiste, Témoin de Jova, Vaudouisan, tout rencontre ensemble. Et nous fait façon pour le capable de dépasser tout clivage. Donc c'est réellement, c'est un gala de l'union haïtienne. Et naturellement, qui chita sous devise, en devise en Etchéou. C'est peut-être ça, Etchéou très prend pile précaution dans qui monde qu'il a invité, comment il a invité. Yeah. C'est juste pour capable solidifier et ramification, unité, ça qui vient en dégâts. Donc, si soit dit assez vrai, j'ai l'impression que si vous venez, il y a saisi pour vous voir dans quelle façon que le gala fait. Donc, nous avons fait ça, soit dit, son très bon conseil, et nous avons fait une invitation, et puis, pour raison ça, tout, on a tout dit, et communauté haïtienne, non, s'il vous plaît, pas faire nous honte. Nous déjà connaissons. Exactement. Il faut que vous présentez. Alors, docteur, c'est un plaisir. Je dis à nos bas de bouche. J'espère, m'a dit encore, n'a pas gagné et maintenant qu'a vini en direct côté que n'a pas offert public là spectacle ça. Pas oublier, non, mais c'est Junior Mengual, ensemble avec docteur Métayer côté. M'a dit lui merci et nous sommes bas de bouche là sous 16e gala de l'indépendance que vous invitez pour venir participer, docteur. Merci. Ça fait plaisir.